0-0. La chute de Maxime Fortier quand même. Il parvient à envoyer dans le coin. Ligue bleue, Charlevoix maintient. Du côté de Gates à la ligue bleue. Le tir et le but! Le tir a battu Francis Leterre. Du côté de la mitaine, Walter Flower sera crédité du but. Voilà Baudouin du côté de Melançon. Cercle gauche. Baudouin tente d'installer l'attaque massive. Il descend dans le coin. Pas beaucoup d'options. Renvoie ligne bleue pour son partenaire Melançon. Point d'appui. Voilà le tir. Dévié. Un tir de loin qui a trompé la vigilance d'Alexis Gravel. On va sûrement le donner à Connor Bramwell. Ouais, long passe pour Thomas Etier. Il entre par l'aile gauche. Menace dangereuse de l'Armada. Devant le filet. Belle arrêt de Gravel. Et test. Beau repli de Jérémy Roy qui va venir intercepter une passe en enclave. Et la contre-attaque. 4 contre 2 l'Armada. Bramwell, territoire adverse. Bramwell vers Mongo. Dans l'enclave. Le tir. Brock Perry complète un tic-tac-toe. Et l'Armada prend les devants 2 à 1. Passe coupée par Melançon qui va dégager au départ de Moynihan. Deuxième dégagement de suite chez l'Armada. Et là, Mongo va surprendre Gravel. Revient le ballon, tire le but! Yvan Mongo surprend Alexis Gravel, but marqué en infériorité numérique. Sur la frappe de Jacques Tanchaîné. Leclerc a été solide là-dessus. D'abord un tir d'Autosumpi, ensuite le retour à bout portant. Mais Leclerc... Oh! Et le but, voilà le tir de Connor Moynihan qui vient battre Francis Leclerc chez une ligne bleue. Un tir, c'est bloqué. Katerina Kiss qui saisit, se mène à 2 contre 1. Avec Mongo, ligne bleue, se mène, tir et le but! Yvan Mongo dans un filet désert, son deuxième du match. Et l'Armada prend une sérieuse option. C'est 4 à 2.